Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit avec tous les saints et les saints du ciel, avec tous nos anges gardiens. En ce matin encore, quel privilège de pouvoir nous tenir debout dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir encore demeurer dans sa présence, de pouvoir encore lui dire le merci de notre cœur, lui dire à quel point nous sommes débordants de sa joie, débordants de son amour à lui. Et en ce matin encore, à toi qui m'écoutes, à toi encore qui es fatigué, à toi encore qui coule sous le poids du rejet, du mépris de ton entourage, du prochain, qui coule encore sur certaines blessures du passé, les blessures de l'enfance, les blessures parce que tant de choses t'ont été promises, mais jusqu'à ce jour, rien ne s'est accompli. Et en ce matin, l'Éternel Dieu des armées vient à toi. Il vient frapper à la porte de ton cœur en te disant ceci. Viens te recommander à moi, viens t'abandonner à moi, viens boire à ma source afin que je puisse te guérir de toutes ces blessures, que je puisse te guérir de tous ces maux, que je puisse te soulager de toutes tes peines, que je puisse te donner la restauration dont tu as besoin, que je puisse t'établir là où je veux. Là où moi, ton Dieu, le veut. Car tu es ma brebis, et moi, l'Éternel Dieu des armées, je suis ton berger. Je ne saurais te mener à la perte. Je ne saurais t'abandonner comme le font les hommes. Alors, ce matin, décide tout simplement de revêtir la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce dans quoi tu es. Je ne sais pas ce qui te fait mal. Je ne sais pas quels sont les maux de ta vie. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre et convaincue, c'est que mon Dieu là-haut ne saurait t'abandonner. Il ne saurait t'abandonner. Il agira,
l'Éternel Dieu des armées agira. Recommande tout simplement ton mal-être. Recommande-lui les différents maux de ta vie. Recommande-lui tes blessures. Recommande-lui tout le mépris des hommes, le rejet des hommes. Et laisse-le tout simplement venir accomplir sa promesse dans ta vie. Il ne saurait mentir parce que s'il l'a dit, il le fera. S'il l'a dit, il le fera. Mais en ce matin également, l'Éternel Dieu des armées te dit, mon enfant, enlève tous ces manteaux que tu as posés en toi, de manière consciente ou inconsciente. À toi, certainement, c'est le manteau de la tristesse. À toi, c'est le manteau de la peur, le manteau du doute. À toi également, certainement, c'est le manteau de l'incompréhension des uns et des autres. Le manteau de la faiblesse dans laquelle tu es. Mais il te dit également, en enlevant ces manteaux que tu as portés, dépose tout simplement ta nullité au pied de ma croix et laisse-moi tout simplement te faire du bien. Laisse-moi tout simplement te visiter en ce matin. Laisse-moi tout simplement visiter ton âme. Laisse-moi tout simplement visiter ton cœur pour que je puisse y mettre de ma joie et que je puisse y mettre de ma paix, de ma quiétude. Voilà ce que l'Éternel Dieu des armées te demande en ce matin. Alors à toi qui m'écoutes, ne te dis pas que c'est impossible parce qu'avec Dieu, il y a toujours une solution. Il ne saurait faillir à lui-même sa parole. Il ne saurait faillir. Alors crois seulement. Crois et tu verras. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira pour ma vie. Il agira pour mon foyer, il agira pour ma famille, il agira pour ma nation, il agira pour mon travail, il agira pour mon enfant. Et j'ai confiance. Alors bien-aimé de Dieu, c'est dans cet élan d'allégresse, dans cet élan de joie que je te souhaite de passer une excellente journée tout en étant dans la prière. Dans la prière et en demandant véritablement à Dieu de venir te décharger totalement. Il agira, il agira. Crois simplement et tu verras sa main se poser sur toi et sur les différents maux de ta vie. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.